Voilà, monsieur, bienvenue à la rubrique à la page. L'émission Écho des Arts, son plaisir pour nous rentrer à la caillou. Nous pourrons continuer par les livres, nous pourrons recevoir un coquin chaîne écrivain. Il y a gagné déjà environ 17 titres que lui proposait nous, qui gagne un bon parcours, un très gros parcours. Invitez-nous aujourd'hui, c'est Poris Jean-Baptiste. Vous pouvez regarder avec lui, parcours lui, vous pouvez regarder avec lui qui ça le proposait. Mais juste avant que nous arrivions dans différents ouvrages, qui te permet de découvrir Auteur avec Stéphane Dapoulard. Jean-Baptiste Poris fait 16 mars 1936 sous habitation Carrochet dans la commune Tenève. Après les fins classe secondaire, il rentre à l'école biblique Bolos Port-au-Prince en 1963 pour étudier théologie. Il partit à continuer en France en 1965. Il retourne à Haïti en 1971. Il est rentré dans fait l'école, l'a enseigné créole, la Bible en grec et le Nouveau Testament. Monsieur Jean-Baptiste, son plaisir pour m'accueillir sur le plateau à la page. Nous pourrons parler littérature, nous pourrons regarder l'écriture, nous pourrons regarder l'importance que lit gagne dans la vie de chaque grand monde. Comment ça y est? Bon, nous là, nous avons campé, nous avons vivre et puis nous avons regardé le pays, nous avons marché. Et puis, nous avons fait ça, nous capables pour nous marcher avec le pays, nous, pour nous avancer ensemble avec la jeunesse, avec le sacrifice de grand monde de tout le et puis pour nous aller pour le pays, pour nous pays après souffler. Voilà. Écris pour un personnage, tant pour vous-même, qui place ça dans la vie? Bon, écris, jouer un rôle important pour moi dans la vie, pas personnellement. La vie a son gros livre. Lis ça. Lis là. L'on passe dans ma chair. Autant de monde qui a parlé. L'on passe dans le magasin. Autant de monde qui a marchandé. L'on passe dans le jardin. Autant de monde qui a chanté, qui a voué roux, qui a voué coup de sépète. L'on passe côté mon a gardé bête, côté mon a parlé avec bête. L'on gardé petit monde qui en vacances, captant car loge pour bête, cap ben dans la rivière, cap refaire promenade. Eh bien, tout bagage ça y est, c'est sujet où y est. Tout bagage ça y est, ou cap entre dans livre. L'organe au suivant enterrement par exemple, eh bien c'est un moment qui est triste, c'est vrai, mais l'organe de mon yo cap prend crise dans enterrement et puis Jean mon a pas jamais exprimé yo. Eh bien tout ça capable entrer dans le livre, est-ce que vrai? Donc pour vous-même écrire, c'est observer. C'est ensemble de observations que vous faites dans différents domaines qui la société a et pour choisir retranscrire en dans ouvrage pour permettre que le lecteur fait connaissance c'est ensemble ça. Avec lui. C'est ça lié. Et en plus ça et tout le monde a des rêves où tu as aimé où tel bagage arrivé où tu as aimé où tel bagage pas fait. Eh bien, tout ça, on est capable de mettre ça à l'écrit. Et ça est capable de faire sujet en livre. Sont armés qui doit fait et qui pas fait. Pour qui ça, il doit fait et pas fait. Et qui sont on t'a proposé comme solution pour le fait. Eh bien, tout ça est capable de mettre dans le livre. On t'a dit, chaque monde des possibilités pour t'écrire finalement. Chaque monde des possibilités pour t'écrire. Et qui soit dit avec monde qui dit qu'il n'est pas donné à tout le monde d'écrire. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'homme garde un homme qui a composé, a chanté, par exemple. Il a composé la parole, mais un monde capable de coucher la parole sur papier. Ça veut dire. Au monde qui couche parole là sur papier, ils sont au monde qui a écrit.
Mais les gens qui composent et chantent à tout, ils n'ont pas écrit, mais ils sont compositeurs et tout. Donc, là, si je bien comprends, écrire, c'est toute une machine. C'est tout un processus. Ce n'est pas seulement écrivain pour eux. Il faut que vous regardiez les gens qui participaient à l'environnement imaginaire écrivain. C'est ça. Qui participaient à l'accoucher texte là. C'est ça. Tant que vous regardez les animaux. C'est ça. L'environnement. Les oiseaux. Les oiseaux. Oui. Pour Jean-Baptiste, vous écrivez plusieurs livres et vous écrivez en créole. Vous faites partie de l'Académie créole haïtienne. Tout. Pour qui ça choix de écrire tout livre yo, la langue maman nous et papa nous pendant tout notre écrivain en pile là-dedans yo a écrit en français et ça gain importance pas tout. Bon, ça son histoire faut ta entrer dans fort conscience moi pour retirer. Et l'entrée de l'école, montre l'école sous la 5 ans. Et puis, je passe en première année dans l'école. Et ça, je suis frère naïf. Et puis, arrivé en mois de juin, je me suis mis dans l'école là. Et qui raison, je m'en moi, je dis, je suis trop crétin, frère Adim. Moi-même, l'école n'est pas faite pour moi. C'est bête pour c'est bête mal gardée, c'est patate mal plantée. Retourner en dehors, à fond. Et tout le monde a remarqué, moi. Et puis, bon, papa, je retourne en dehors, c'est mon Terre-Neuve. Les mamans viennent chercher mon Grenaïve, ils montent avec mon Terre-Neuve. Les mamans arrivent à la caille, papa mourait, moi. Et moi, papa me tombe crié. Première fois dans la vie, moi, mon papa m'a crié. Et puis, il dit, l'école manquait tout lié pour mes petits garçons là, qui était moi-même. Et puis, il dit, bon, Koulia, ça me connaît, m'a montré. Et puis, il retire l'école. Alors, ça qui vient de passer, moi, lundi, mercredi, vendredi, je suis marché avec maman. Mardi, jeudi, samedi, je suis jardin avec papa. Et comme ça, je suis tombé sous l'âge de 10 ans. Donc, vous parlez à l'école? Je parle à l'école. C'est-à-dire, l'école, oui, l'école avec papa dans le jardin, et puis l'école avec maman dans le marché. Donc, histoire sans raconter nous là et que moi avant nous discuter de lui déjà et qui touchait quelque part, c'est là que Oudim, dans tout parcours d'écrivain que tu as écrit en créole, ça que tu puisses marquer, c'est là que en tant que pasteur, ou prêché, ou remarqué que maman a dormi l'église là. Et l'on posait la question, ils ont Boris, je ne comprends rien dans ça que tu as dit. Ou choisi écrit créole. Ou est-ce qu'on a une chaîne livre que moi-même, moi, ensemble, l'offre raconte une histoire, c'est Simon Bois David. Là, on racontait l'histoire d'une jeune femme que vous pensez qu'il était mort et vous touchez la question de zombification. Quelle importance la qu'il-t-il gagné l'enfer littérature à marcher? Bon, écoutez, pas de peuple sans culture. Culture, c'est toute croyance, nous. Quitte ces bons bagailles, nous croyons, quitte ces mauvais bagailles, mais quand même, il fait partie de nous-mêmes. Et tout bagaille, c'est nous-mêmes. Ça veut dire, Boris, Jean-Baptiste, moi, à la fois catholique, parce que je me lève dans l'église catholique, il fait partie de moi-même. Moi, à la fois vaudouisant, parce que moi, grandi dans vaudou à tout, et moi, je suis choisi protestant. Donc, ça veut dire, dans moi-même, moi, j'ai... Multidimensionnel. J'ai trois dimensions. Dimension vaudou, dimension catholique, dimension protestant. Et
l'entendez moi-même, tout le bagage, c'est moi-même. Et tout le monde qui grandit dans l'ambiance, ça, dans n'importe quelle ambiance, là, eh bien, il fait partie de vous-même. Mm-hmm. Et papa apprend moi en pile feuille. Il te dit, moi, il casse telle feuille, il dit, mais on laisse attendre. Il dit, mais qui j'aurai l'aile. Et puis il dit, il est bon pour telle maladie. Et puis il connaît comme ça, il dit, Paris, elle cherche telle feuille dans moi. Pour estimer, tu retenis ça, tu prends ça, tu es d'une. Et puis tout le bagage est entré dans moi-même, c'est pour ça. Feuille fait partie de la vie, moi. C'est pour ça. Là, mon Dieu, c'est avec feuille, je suis content. Parce que feuille fait partie de la vie, moi, existence, moi. Je vais rentrer dans l'autre ouvrage que vous écrit, qui te prend prix des champs en 1985, qui c'est. L'ennobraille innocence. C'est ça. Mais avant de rentrer dans l'ouvrage là, qui te pose une petite question tout court avec une réponse courte. À 86 ans, l'homme gardé société haïtienne, qui est tout gain? Bon, pas vraiment une petite triste pour la société pays, non. Pour la société, non. Mais, tristesse, moi, comme transformé en la joie tout. Mm-hmm. Je dis, nous capables de chiter, on a parlé. On a interrogé sur la question créole. Mm-hmm. Mais l'un des petits mondes dans l'école, je te qu'on a battu nous, a pini nous, parce que nous n'étions pas le créole. Mais je dis, bah, qu'elle a changé, elle a évolué. Mm-hmm. Comprendre? Coulier, je ne crois pas aucune télévision, aucune radio qui a hasardé pour gagner toute émission en français. Mm-hmm. Pas aucune publicité en Haïti qui a fait seulement en français ou en anglais. Il est obligé de faire en créole tout. Donc, ça montre bien un changement qui a fait. Et tout le monde se reprend les réseaux sociaux. Moi, j'ai rempli le message sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Mais l'homme regarde presque tout. C'est un créole. L'autre en créole. Mm-hmm. Alors, je me dis, bon, côté triste pour le pays, non, parce que il y a des choses drôles qui passent dans le pays non, et qui ne font pas plaisir. Et je ne sais pas, mais ben, ça continue comme ça. Mais il y a une potentialité qu'il a tout. Qui pour développer. Qui pour développer. Et pour me dire, c'est ça que bon courage pour me dire, et il n'a pas mouru, et il n'a pas péri. Il n'a pas son mauvais moment, c'est vrai, et, ou même qui gêne. Son moment difficile n'a pas passé dans le pays. Mm-hmm. Mais le pays, ça, il n'a pas droit à mourir. C'est nous qui vous faisons. Oui, Jean-Baptiste, oui. C'est ton plaisir. Oui, c'est pour me recevoir à la page de l'émission Écho des Arts. Tout livre est disponible, tout partout, mon âme jeune. Bon, et moi j'ai plusieurs livres qui sont en édition copie vite avec Tardieu. Et moi j'ai quelques lacs et tout. Moi j'ai en presse nationale, ça qui est en presse nationale tout. Bon, yola. Et puis, mais quand même, ce n'est pas question de vendre qui est intéressant. Ça qui est intéressant, c'est faire connaissance, partager connaissance. Alors, chaque fois, mes contextes, vous voyez le bail avec un camarade, et puis, il a apprécié le gars qui dit, vous avez fait tel bagage, je suis content de vous corriger. Merci beaucoup, parce que vous êtes tout disponible pour nous. Merci pour connaissance que vous partagez avec toute. Plusieurs générations, disons mieux, qui ont évolué dans le pays d'Haïti, la nécessité pour nous partager savoir, pour nous aider le pays à un autre niveau de développement. Merci beaucoup. Merci à Pile pour vous accueillir moi et je continue. N'importe là où tu as besoin, donc je continue. Merci. C'était un plaisir pour nous partager ensemble avec vous. Rubrique à la page ça avec Paurice Jean-Baptiste.
invitez-nous jeudi. Nous avons bon rendez-vous pour une autre à la page avec un autre écrivain, avec l'autre ouvrage. Restez branchés, Télévision Pacifique.